Une nouvelle phase s'amorce dans le parcours de Charlotte Casiraghi, fille de Son Altesse Sérénissime la Princesse Caroline de Monaco. Au cours de cette semaine, Paris Match a rendu publique la diffusion de photographies la capturant en compagnie de Nicolas Mathieu, écrivain lorrain honoré du prix Goncourt en 2018, confirmant ainsi une rumeur persistante évoquant une liaison amoureuse depuis plusieurs semaines. De surcroît, des allusions à cette relation auraient été également formulées par l'écrivain. Les photographies publiées par le magazine Paris Match dépeignent les deux amoureux, manifestement complices et arborant des sourires radieux, partageant un moment empreint de tendresse sur la terrasse d'un café parisien. En marge des scènes étincelantes et mondaines, Charlotte Casiraghi et Nicolas Mathieu semblent avoir découvert un bonheur simple et authentique. À première vue, tout semble séparer la cavalière monégasque et l'écrivain discret. D'un côté, une princesse imprégnée de charme et familière des cercles mondains, de l'autre, un auteur dont la plume se distingue par sa rudesse et son réalisme, comme le souligne la publication. Cependant, les contraires s'attirent, et il semble que leur passion commune pour la littérature ait forgé leur destin. Par ailleurs, l'écrivain se serait confié sur cette relation lors d'une intervention à Nancy, lors de l'enregistrement du podcast Le Goût de M, diffusé en ligne le 8 mars dernier. Il aurait ainsi offert une nouvelle perspective philosophique sur l'amour, en faisant une allusion à celle qui partagerait sa vie. Ses propos suggèrent, la littérature et les récits en général mettent en avant l'éclair, les moments d'intensité verticale. Peut-être serait-il judicieux de considérer également les horizontalités. Ce qui s'étend, plutôt que ce qui s'élève. La publication s'interroge. Quoi ? L'horizon ? La Méditerranée ? Il est des rats de marée qui se moquent pas mal des reliefs imposés et même des vertigineux rochers. Les contraires s'aimantent, avant de poursuivre, mais sont-ils si contraires? Eux qui, à une terrasse de café Gare de l'Est, ont l'air de deux étudiants en partance.